Non mais franchement, où est-ce que tu te crois? Tu n'es pas venu ici pour t'amuser. C'est la première fois que je vois ça dans cet établissement. Un des plus prestigieux et des plus réputés du pays. Il ne se passe pas une journée sans que tu arrives en retard. Ou que tu te battes avec les autres. C'est à toi que je parle. Tu pourrais au moins faire semblant de m'écouter. Là maintenant, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu te réveilles et que... Bonjour monsieur, je vous rapporte le cahier de texte. Oui, pardon, je te remercie beaucoup, Shiraishi. Bonne journée, monsieur. Tu l'as vu? Tu ferais mieux de prendre exemple sur elle. Toujours polie et avenante, sérieuse et travailleuse. Cette jeune fille est tout le contraire de toi. Elle a l'air aussi chiante que ce ringard. Disparais. Et que je n'entende plus parler de toi. Il me regarde comme s'il allait m'étrangler. Ça doit être lui, l'espèce de nul qui a débarqué en première. Oui, comment ça va, toi? Il y avait longtemps, dis donc. J'en ai marre. J'avais fait exprès de choisir un lycée où personne ne me connaît. Mais j'ai l'impression de me retrouver au collège. Moi qui espérais me marier un peu, je crois que ça va être compliqué. Je rêve pas, c'est la lycéenne modèle. C'est quoi ça? Est-ce que je suis mort? Ah. On dirait que je suis à l'infirmerie? Hein? Une paire de... Et là? Oh, plus rien! Je suis devenu elle! Mais alors ça veut dire que... Ça veut dire qu'elle occupe mon corps! Et elle, comment elle est allée en cours? Je veux dire, c'est pas possible qu'elle soit... Qu'est-ce qui lui prend à Yamada? D'habitude, il est pas du tout comme ça. C'est vrai, on dirait un premier de la classe, c'est pas normal! Pardon, monsieur. Dans le cas présent, ne pourrait-on pas plutôt inverser les angles A et C? Bien sûr, je... En effet, c'est tout à fait possible. En procédant ainsi, la nouvelle inconnue peut être nommée A, et en y additionnant... Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi tu joues, là? Viens avec moi! Maintenant, tu vas me dire ce qui se passe, et vite! Comment ça se fait que j'ai pris ton apparence et que toi, t'as pris la mienne? Je l'ignore. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? Le pire, c'est que ça a pas l'air de te perturber! Est-ce que tu
te rends compte dans quelle galère on est, toi et moi? Un peu, oui. Comment ça, un peu? Je t'assure que j'ignore complètement la nature du phénomène qui nous a frappés. Mais il y a peut-être un moyen de revenir en arrière. En y réfléchissant bien, la seule chose qui peut expliquer ce qui nous arrive, c'est notre chute dans l'escalier, quand on s'est croisés. À mon avis, il suffirait de recréer les conditions dans lesquelles ça s'est produit. Mais je t'avoue que ce qui me désole le plus, c'est que tu n'y aies pas pensé. Ouais, en tout cas, c'est pas la modestie qui t'étouffe, toi. Mais on s'en fout. On va faire comme t'as dit, et vite. Non, pas question. Quoi? Bah oui. Ça voudrait dire qu'on va encore tomber dans les pommes. Et franchement, j'ai pas du tout envie de manquer encore des cours. Quoi? Mais alors, t'es en train de dire qu'on va rester comme ça toute notre vie? Non, justement, je l'ai pas dit. D'ailleurs, j'ai pas du tout envie de garder cette chose entre les mains. Oh là, on te l'a vu! On va attendre la fin des cours. C'est une blague? Pas du tout. Après tout, c'est ta faute si on a fait cette chute dans l'escalier. Donc, c'est à toi de te plier à mes conditions. Peut-être, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, en attendant? Non, mais c'est du grand n'importe quoi! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans un corps pareil? Attends un peu. J'ai peut-être un coup à jouer, là. Hiroshi, ça va? On dirait que t'as une drôle de tête aujourd'hui. T'as peut-être besoin d'un petit coup de main. Tous les mêmes, ces garçons. J'ai pas le choix, je crois. Vous êtes gentils, mais je vais hyper bien. À plus, ces garçons! Je voudrais pas dire, mais elle est pas comme d'habitude. Ah, oh, c'est n'importe quoi. J'ai trop envie de retrouver mon corps. Ah, bah te voilà, on se demandait où t'étais passé. Alors, qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas l'heure de jouer à cache-cache? Ah, salut Sasaki, tu vas bien? Oui, je t'ai apporté ton panier repas, alors si tu veux, on va manger ensemble. Vaut mieux que je suive le mouvement. Ah, d'accord, c'est une super idée, allons-y. Bon appétit! C'est pas tout à fait le mien, mais j'aurais tort de me gêner. Ah, oh, c'est pas vrai. C'est donc ça le repas d'une élève modèle? C'est pas si mauvais que ça. Bon bah, il faudra peut-être que tu révises si tu veux avoir encore une bonne note. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, dégage, espèce de cruche? Qu'est-ce que tu fais? Faut y aller, ça va être l'heure. Ah, d'accord. Il y a un problème. Je commence à comprendre. Bah, dis donc, les autres filles, elles sont pas tendres avec toi, on dirait. Écoute, je sais pas quoi te dire, sauf que je suis vraiment désolé. Attends. T'as bien entendu. Je n'avais pas du tout l'intention de t'ennuyer avec mes histoires. Laisse tomber, on va faire comme t'as dit, c'est-à-dire après la fin des cours. Moi? Ouais, je te connais suffisamment pour savoir que t'as pas du tout envie de sécher. J'attendrai. Et une fois que... qu'on aura retrouvé nos corps, je ferai en sorte qu'elle te laisse tranquille. Surtout ne fais pas ça! Quoi? T'as très bien entendu, ne te mêle pas de mes affaires! Les choses sont déjà assez compliquées comme ça! T'as compris? Surtout ne t'occupe pas de ça, d'accord ?
peux savoir de quoi tu parlais avec Yamada? De tout et de rien. En tout cas, rien qui te concerne, ça c'est sûr. Ah! Si, ça me concerne, parce que tu sympathises avec Yamada. Je te rappelle que ce mec est juste le déchet humain de notre lycée. Hein? C'est clair que même un pauvre type comme lui n'osera jamais s'en prendre à une fille de ma classe. Enfin, j'espère que tu en as conscience au moins. Non, peut-être pas autant que tu le crois. Attends, pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu ne crois pas que c'est un peu tard pour me résister? Si tu crois que tu pourrais t'en sortir, tu es complètement folle! Trop facile. Les gens comme elle, il suffit de leur foutre un peu la trouille et ils reviennent tout de suite les pieds sur terre. Je crois que t'as pas compris ce que... Mais... qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Ça fait mal! C'est pas possible, t'as osé me frapper! Tais-toi! C'est pas moi qui t'ai frappé, c'est toi qui as coupé ma course! Tu m'avais dit que tu tenterais rien! Tais-toi, c'est ta faute, un bois, c'est tout! Hein? Alors ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une journée bien pourrie. C'est pas moi qui vais te contredire. Mais t'es sûr qu'on doit reprendre notre corps? Elle va pas essayer de s'en prendre encore à toi? Ça, j'en sais rien. Quoi? Faut que je t'avoue quelque chose. Quand Sasaki s'est sauvée en agitant les bras dans tous les sens, j'ai éprouvé un grand soulagement. Je te remercie beaucoup. Y a pas de quoi. Je m'attendais pas à ce qu'elle me sorte ça maintenant. Bon, bah, quand faut y aller. Ouais. C'est comme ça que nous avons retrouvé nos corps respectifs. Ou pas. Attends. Mais... ça n'a pas marché! C'est pas grave, on recommence! D'accord. Encore une fois! Encore une fois! Pitié, on voudrait juste retrouver nos corps! Ça a pas marché. Tu crois qu'on va rester comme ça jusqu'à la fin de notre vie? Comment on va faire? Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a encore un truc, et je pense que ça devrait nous sortir de là. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi ce que c'est, vite! La première fois qu'on est tombé dans l'escalier, on s'est embrassé. Quoi? What? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Mais pourquoi je t'aurais embrassé, moi? Ça, j'en sais rien. Mais ça s'est produit quand tu m'es tombé dessus. À mon avis, ça coûte rien d'essayer. Essayer? Tu veux dire qu'on va... Ça vaudra toujours mieux que de ne rien faire. Mais... non, mais... t'es sérieux, là? Ça a marché, c'est mon corps! Tu vois? Nous avons réussi. Je retourne en cours. Salut! Hé! Attends! Ah ouais, d'accord. Décidément, elle m'a bien eu. Très intéressant. Bon, bah, on y va? On y va. C'est pas vrai, on a encore réussi à permuter nos corps! T'emballe pas. Je préfère qu'on garde ça pour nous, si tu le veux bien. Il y a un truc que je me demande. Pourquoi ça la gêne pas de m'embrasser? Mais si ça se trouve... C'est simple, Yamada. C'est parce que je suis très amoureuse de toi. J'y crois pas.
Si les profs s'aperçoivent que je passe les rattrapages à ta place, on aura des problèmes. Ouais, vu comme ça... Il n'y a pas à dire, c'est quand même pas mal d'avoir un pouvoir comme celui-là. Je vais pas me plaindre. Salut, Shiraichi. Ça faisait longtemps. Regarde, c'est Miyamura, le délégué des élèves. Il est effrayant, mais il a de la classe. Oh, je craque. Est-ce que tu peux venir avec moi? Il faut que je te parle. Tu t'avais oublié qu'on avait un rencard aujourd'hui? Oh non, c'est pas vrai, il faut que ça tombe sur moi. Bien sûr que non, je ne peux pas oublier un truc pareil. Il paraît que tu t'entends super bien avec Yamada en ce moment. Non, c'est une simple rumeur, tu sais comment ça se passe par ici. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. En plus, faut dire que t'as pas grand-chose en commun avec lui. En même temps, ça m'étonne pas, c'est un pauvre type. Qu'est-ce que tu veux dire? Salut, Shiraichi. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Est-ce que tout va bien? Oh, non. Les trois demeurés de l'autre fois. Oui, je vais bien, merci. Pourtant, on dirait que t'as pas très bonne mine. C'est très inquiétant. Vaut mieux qu'on t'accompagne. Qu'est-ce qu'ils sont lourds? Oh, c'est gentil, mais c'est pas la peine, vraiment. Surtout, ne te sens pas gêné, ça nous fait plaisir. Tu sais que pour toi, on est prêt à tout. Alors là, ça devient pénible. Laisse-moi faire, tu veux? Je vais me faire un plaisir de m'occuper d'eux. Génial! C'est comme ça qu'ils s'en occupent! C'est ce qu'on t'avait dit, hein! J'étais sûre que ça se finirait comme ça! Alors, on fait quoi maintenant? Allez-vous-en et fichez-moi à la fin! Et voilà le travail! C'était convenu qu'on devait juste lui parler! C'est la dernière fois qu'on fait ce que tu dis! Qu'on fait ce que tu dis? Ce coup de pied que tu as donné, il me dit quelque chose. Miyamura? Il faut que je t'avoue un truc. Ce rendez-vous entre cette chère Shiraichi et moi, c'était une pure invention. Parfaitement. La vérité, c'est que tu es Yamada. Non, mais je t'arrête tout de suite, là. C'est du grand n'importe quoi. Tu bloques les manches. Tu es en face, je veux dire, tu es pas Yamada. Et ça, c'est Shiraichi. Je peux savoir ce qui se passe? Non, c'est rien, Jira. Pardon, je veux dire, Yama... Inutile de continuer à dissimuler la vérité. Et maintenant, allons discuter de tout ça ailleurs. Je réussis à rattraper le coup. Je découvre que tu n'es pas en cours et qu'en plus, Miyamura a découvert notre secret. Comment ça se fait? Désolé. Bon, c'est pas grave. Écoutez plutôt ma proposition. Quelle proposition? Proposition? D'abord, je vous ai réservé cette salle. Comme ça, vous serez tranquille. Tu nous as réservé une salle? Pourquoi faire? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Je sais que vous avez besoin d'une certaine intimité pour échanger vos corps. Vous vous embrassez? Ça marche comme ça. C'est pas si bête que ça. Bravo, t'as gagné. Tu commences à me fatiguer, arrête tout de suite ton cirque! J'arrête quand je veux, alors écoute-moi. À une époque, cette salle servait aux membres du club des phénomènes paranormaux pour leur réunion. Il n'y a plus que moi, donc le club risque d'être dissous. Sauf si vous le rejoignez, et vous aurez accès à la salle. Vous pourrez y venir autant que vous voudrez, à condition de ne pas éveiller les soupçons des autres. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà embrassé quelqu'un d'autre? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Moi, non. Et toi, Yamada, tu réponds quoi? C'était mon premier baiser avec Shiraichi. Bien, alors, si c'est votre premier baiser, je pense que c'est envisageable. Pour faire court, vos corps peuvent peut-être permuter avec ceux d'autres personnes si vous les embrassez. Alors, si ça ne te fait rien, j'aimerais bien le vérifier avec toi. Non, c'est hors de question. Bon, alors ce sera avec Yamada. Non, mais il n'y a pas marqué plan B. Je veux dire, on parle de deux mecs qui s'embrasseraient, alors tu peux tout de suite oublier ça. Moi, j'ai envie de savoir si ça marche. Alors, essaye, s'il te plaît. Mais... Non mais attendez là, c'est peut-être pas la peine de nous mettre une ambiance à l'eau de rose. Ça a marché, j'ai vraiment changé de corps. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir gagné en souplesse. Ah,
qu'est-ce que je suis moche! Et toi aussi? Tu sens un drôle de truc entre tes jambes? Heureusement que je sens, puisque j'en ai un! Ouais, moi aussi, mais franchement, c'est pas le cas. Oui, bon, bah, ça va, hein, exagère pas quand même! J'ai repris mon corps! Moi aussi. C'est impressionnant! Donc ça veut dire que dès que t'embrasses quelqu'un, tu prends son corps? Pourquoi tu me demandes ça? J'en sais rien, moi! Je sais ce qu'il me reste à faire. Je dois à tout prix trouver une fille qui accepte de venir embrasser Yamada. Tu veux bien éviter, s'il te plaît? Ah? Alors ça, c'est bizarre. Pourquoi elle veut pas? À moins que... Je ne suis pas d'accord. Je refuse que tu embrasses une autre fille. Tu t'en doutais? Non, sérieusement? Ah? Il est important que personne d'autre ne soit au courant. C'est un secret qui devra rester entre nous trois. Est-ce que c'est clair? Oh mince, c'était donc pour ça. C'est parfait. Donc, j'en conclus que tu acceptes de devenir un nouveau membre actif de notre club. Une minute! Pourquoi tu veux à tout prix qu'on fasse partie de ton club? J'ai un petit service à vous demander. Je vous demande d'être à l'écoute de certains élèves qui ont des choses à demander. Ça me paraît assez équitable, non? Alors, qu'est-ce que tu en penses, Shiraishi? Je suis d'accord. Et en plus, il paraît que c'est super sympa de faire partie d'un club avec d'autres. Bon, bah alors, c'est d'accord. Faire quoi exactement? Rien. Nous décidons ensemble qu'à partir d'aujourd'hui, le club des phénomènes paranormaux est de nouveau opérationnel. Shiraishi est nommée présidente. Je me nomme vice-président. Yamada, simple adhérent. Comment ça, simple adhérent? Eh, c'est pas juste! Est-ce que c'est vrai que le club des phénomènes paranormaux existe de nouveau? Si c'est vrai, je voudrais bien y entrer. Dis donc, Yamada, il avait quel goût ton petit baiser avec Shiraishi? Non mais attends, comment tu veux que je m'en souvienne? On verra comment tu te débrouilleras la prochaine fois. Embrasse-moi. Puisque c'est comme ça, on va recommencer. Hein?